Daniel Bravo souffle sa 61e bougie ce vendredi. Un anniversaire qu'il pourrait célébrer en famille, notamment avec son fils Lucas, qui lui n'a pas décidé de devenir footballeur comme son père mais qui a revanche la cote aux États-Unis. S'il brille aujourd'hui en tant que consultant sportif sur beIN Sport, Daniel Bravo, qui fête aujourd'hui ses 61 ans, a pendant longtemps été un très bon footballeur. Après avoir évolué lors des premières années de sa carrière en tant que deuxième attaquant au milieu offensif, il a finalement occupé le poste de milieu défensif lors de son passage au Paris Saint-Germain, club où il a acquis la réputation d'un joueur combatif et rugueux, et remporté plusieurs titres comme la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 1996 ou le Championnat de France deux ans plus tôt. Il a également joué pour Lyon, Marseille, Nice et Monaco. Une voie sportive que son fils Lucas n'a pas suivie puisqu'il est acteur. Il s'agit d'un très bel homme de 35 ans, qui s'est installé aux États-Unis à 17 ans afin d'y étudier le théâtre avant de revenir à Paris en 2010 pour commencer à passer des castings. En 2013, il a décroché son premier rôle dans la série télévisée Sous le soleil de Saint-Tropez. Quatre ans plus tard, il intégrait l'Actor Factory, un studio d'acteurs créé en 2010 par la coach Tiffany Stern. Il y est resté jusqu'en 2020. Cette année-là, il s'est fait connaître à l'international, en devenant l'amoureux de Lily Collins dans la très populaire série Emily in Paris. En 2022, il devenait cette fois le compagnon de Julia Roberts dans Ticket to Paradise, film dans lequel joue également George Clooney. Daniel Bravo fier de son fils. En novembre dernier, Daniel Bravo faisait une apparition surprise dans l'émission Les 12 coups de midi, présentée par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Il en avait alors profité pour s'exprimer sur son fils. « Je suis très très fier de lui, si est-il vrai que ce n'est pas évident comme métier. » Il s'est construit tout seul, il a fait beaucoup de casting pendant pas mal d'années et des petits boulots pour avoir ensuite la chance d'être pris. Il continue son chemin. Jean-Luc Reichmann avait ensuite salué son épouse Eva, la mère de Lucas, avant de rappeler qu'ils sont en couple depuis 36 ans. Un amour qui dure dans le temps et qui n'est pas près de s'arrêter, d'après Daniel Bravo.